Tuning, Lanco, tuning! Tuning! Chier! Oh, je vais l'agresser! Tuning! Lanco, tuning! Y'a du tuning! Fuck! Awesome, bro! Yes, sir! La Mazda MX-5! I love it! Look at the wing, bro! I dig it for real! This is awesome! What does it say? Okay, street sign. Awesome, man. Regarde la Miata. Du lourd. Tuning, loco. Il a découpé les panneaux de la rue. Putain, le tuning. Pas besoin d'aller au Sunset GT, mon ami. On est là, tuning. C'est la star du jour. Sur le parking du Pollo Loco, cause... Tu l'as compris, c'est les jeunes du lycée, donc on fait ce qu'on peut, loco, hein. On est là, avec le budget des familles. Voilà, on fait le taf, recyclage. Mais quand même, c'est la star du lycée, regarde. Le toutou et tout. Putain, le moteur, qu'est-ce qu'il y a dans le moulin, loco? Awesome. 16 valves, right? 16? God damn. Fuck yeah. Lui aussi, tant ça déchire tout. Voilà, putain, les lycéens de la Californie, yo, c'est la Cali Life sous le soleil, on dégère tout. Yo, salut les mobeurs, bienvenue dans la cape de Tomahawk Tuning. Aujourd'hui, on va essayer de vous ramener une petite vidéo contenu plaisir. Hey Tomahawk, yo, what up, what's going on? Tu parles trop au sérieux, ferme ta bouche un peu, ferme ta grosse gueule. Shut the fuck up. Bro. Yes sir. Shut the fuck up. Shut the... Donc, tu l'as vu sous les yeux, on a des carters Malos. Je vais essayer de monter tout ça. Le bas moteur Peugeot TSM, full Malos 70cc. Je vais essayer de le monter avant de partir au shop. Tout de suite, faut plugger. Marketing. Donc, il reste plus que 10 stickers apparemment, d'après Pierrot, le bénévole en France. 10 stickers sur le site qui déchire tout. Autishirt.fs. Merde. .fr. / page avec un S. / Tomahawk, tu te fais plaisir, je te mets le lien dans la description, tu cliques dessus, tu fais péter les dineros et tu chopes les derniers stickers qui sont là, il n'y en a plus qu'une dizaine, donc après c'est fini, série limitée, on n'en parle plus. Donc ici je t'ai montré aussi, je vais te montrer, le package, il est là, c'est quoi? C'est du Victoria's Secret, il est là pour ton plaisir, de la lingerie féminine qui va tout déchirer, on va essayer de te faire un unboxing à la maison. Enfin, à la maison, au shop, c'est pareil, je dors là-bas, je passe toute ma vie là-bas, donc tu vas voir le unboxing qui déchire tout, Victoria's Secrets, les dessous les plus sexy de la planète. Voilà, ça vient de Treatland.tv, les goodies, on va tout te montrer. Donc ici, vite fait, pour ton plaisir, car il faut arrêter de parler, sans quoi c'est shut the fuck up. Donc ici, tu vois la petite platine là, le retien, la retenue pour le joint spi, et l'autre pour l'espèce de feutrine de mes deux là, qui vient sur les carters d'origine Peugeot, on s'en bat les cacahuètes. Donc moi, je vais la découper. Ça va retenir le joint, tu t'inquiètes pas, loco, il est où le feutre? God damn! En rouge, tant pis. Donc, t'inquiète pas, ça retient le joint, hein. On va pas découper la retenue du joint, god damn! On va juste découper le petit morceau ici qui retient la feutrine de mes deux qu'on va pas installer. Et ensuite, il y a plusieurs couches, loco. Il y a la retenue du roulement, la retenue du joint et la retenue de la feutrine de mes deux, anti-poussière et tout le bordel. Donc, nous, on va découper comme ça, j'aurai visuel sur le joint spi. T'as compris? On pourra pas l'enquiller par l'extérieur, il sera retenu par l'intérieur, mais on aura visuel sur le joint spi, loco. Si on l'a découpé, qu'il fuit, qu'il est craqué ou quoi, on a les yeux dessus, on peut chouffer. T'as compris le taf? Allez, c'est parti, je te découpe ça. Donc regarde, c'est simple, tu prends la scie, loco, ça fait à peu près 2 mm d'épaisseur, je l'ai marqué pour ton plaisir. Et je vais découper comme ça dans le plan, tout droit, ensuite on finit à la lime pour faire beau sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il faut que ça fasse bling bling, toujours, on va polir tout ça. Et là, tu découpes, tu vois ce que je veux dire? On va lui faire sauter la rondelle. Regarde bien ce qui va se passer. Check it out, loco. Putain, il y a la mouche, elle est là. Je t'avais dit, il faut les fly traps. God damn, elles sont partout. Shut the fuck up. Regarde. Pas beau, ça? Donc, elle fait 2 mm. Tu la dégages. Voilà. Et maintenant, on va limer. On va faire ça propre. Beau. On va tout polir. Regarde comme c'est beau, loco. On lui travaille la rondelle. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin? Il est toujours en train de réparer sa mobilette. On va le foutre sur une voie de garage. On va le foutre en pension. Pas possible, ça. Sale gamin. Désolé, les amis. Ce sont les souvenirs d'enfance qui remontent à 14 ans. Voilà le désespoir de mes parents. Qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin? 30 ans plus tard, il est à Los Angeles avec la Pagani. Le cul de la Pagani. Le petit shop de mobilette qui déchire tout. Custom à Los Angeles depuis 10 ans. On déchire tout. Donc ici, regarde. On a viré la petite rondelle.
Donc, on va pouvoir retenir le joint suivi par l'intérieur, bien sûr. Donc, on va le rentrer par l'intérieur, comme d'hab. Hein. Et ensuite, à l'extérieur, on pourra tout voir, loco. Voilà, regarde comment on a poli, c'est bon. Hein. Bob va être fier de moi. D'ailleurs, tiens, Bob, un gros big up à William, Willy, qui a acheté le t-shirt Tomahawk avec le logo. Le Bob, Bob le préparateur, la tasse à café Tomahawk, big up à toi, c'est beau comme tout, t'es magnifique sur les circuits avec ta femme et tout, Madame Tomahawk. Je kiffe. Continue, loco. Merci pour le soutien. Allez, je vous montre le matos. Avant assemblage rapide, polir les carters, tu devras. Tu m'as appelé le Yoda de la mobilette. Donc maintenant, c'est le Yoda de la mob, c'est plus le Moped God, c'est le Yoda. Polir les carters, tu devras, avant assemblage. Donc ici, tu as le Vilo Artec, gros cône bien sûr pour Peugeot, pour pouvoir monter l'allumage électronique Moriyama Moto Bacon qui monte dessus. Donc je te montre tout le matos rapide, les carters sont nettoyés à l'acétone, comme un chef, comme un pro, comme un Sioux. Donc les joints ici, bien sûr, carter, va falloir enquiller tout ça. Le petit joint, ne pas oublier ici, que tu connais, tac, voilà, il va monter comme ça, dans l'autre sens, enfin, tu te fais plaisir, hein. Bob le préparateur, les photos sur les réseaux, tu l'as compris, c'est moi le meilleur, je polis tout, polish. Ici, la fameuse feutrine dont on se bat les couilles, voilà, qui doit rentrer là-dedans avant montage du joint speed du tout, on s'en bat les cacahuètes. Donc ici, bien sûr, la retenue de roulement de l'autre côté, puisqu'il n'y en a pas, voilà. Pigeos Andra, tu mets ça, les petites vis, tu retiens le joint speed côté variateur, tu te fais plaisir. Ici, les roulements NKE fabriqués en Autriche, C3. Franchement, ça a l'air d'être de la bonne. Il y a un bon jeu, il n'y a pas de graisse et tout. On n'a pas besoin de nettoyer, c'est magnifique. Les joints SPI, gros, gros côté vario. Petit, petit côté allumage, tu l'as compris. C'est tout, tout le matos ici, le hardware, comme on appelle ici aux États-Unis. D'ailleurs, mal aussi, c'est planté. Les spaghettis, les italiano. Regarde, ils nous ont mis du 65, 70, tout ce qui va bien. Il y a 6 vis ici, il y en a 7 en tout. Et la 7ème, c'est du BTR 45. N'importe nawak. Celle-là, c'est la petite qui va là-haut, t'as compris. Tac. Merci Malossi. Bon bah, on se met au taf, on enquille les roulements, le vilebrequin, on remonte tout le bas moteur. Au Watteau, ça va être beau Watteau. On va tout déchirer sur les réseaux sociaux. C'est moi, c'est Kiki qui a la plus grosse, c'est moi, The Moped God. Je l'ai trouvé la 7ème, elle s'est échappée. Ah la salope. Aware, il est aware le mec. T'as remarqué, c'est dur pour les Français de prononcer le TH. The, mets la langue sous les dents, the. Donc on est là. Le joint spi, je les check. Les joints spi avec de l'huile sur le vilebrequin avant de les monter. Donc c'est toujours bon d'avoir plusieurs modèles de joints spi, car il y en a qui serrent très fort sur le vilebrequin. Et quand ça te serre, ça freine le vilo. Et là, t'as pas les tours moteurs, loco. T'as pas les watts. Yo, loco, c'est chaud, chaud. On a tout déchiré, chaud les carters, joint spi, vario, joint spi allumage. Là, on a recentré un petit peu le vilebrequin, on l'a tiré un petit peu. Un petit coup sur les goujons, tac, tac, on relâche le vilebrequin, on est magnifique. On a mis de l'huile motul de temps, bien sûr, sur les joints spi, tout le bordel. Oh, Watteau. Donc là, t'as compris, on a découpé le papier, bien sûr, hein, les joints de carter. On va s'assurer quand même que l'entretoise passe. Donc je l'avais quand même utilisé pour le montage. Elle est là, elle est dedans, ça c'est l'entretoise moteur que tu connais. On va la ressortir, on va remettre les petits goujons provisoirement pour mettre des riselants, protéger les carters de la bielle qui va cogner à droite à gauche pendant les manipulations. Et ensuite, on fera le montage définitif avec une petite goutte de frein filet Loctite rouge. Voilà, pour les tenir. C'est le seul endroit où on met du Loctite sur ces moteurs-là en général. Le reste, c'est pâte à joint s'il faut sur les vis, s'il y a besoin, mais ça fait le taf. Donc voilà, on va faire ça vite fait et ensuite, on fonce au shop, loco. Allez, rapide, bamonos, je t'ai montré ici, donc voilà, j'ai mis les riselants, tu l'as vu, c'est beau les riselants, c'est les zip ties ici, aux États-Unis qui nous permettent d'isoler un peu la bielle, qu'elle ne vienne pas cogner là-dedans sur l'alu et niquer les plans de joint, ok, les surfaces, voilà, pareil ici, on va travailler plus tard la surface, c'est-à-dire la passer au marbre, histoire d'eux, d'être sûr qu'on est à plat, voilà, c'est tout, pour faire les étanchéités, tu l'as compris au niveau de l'admission, regarde d'ailleurs comment elle est massive, c'est massive. Peugeot 103, énorme, plus gros que les scooters, les mécamoites, t'as compris, ça déchire tout. Donc ici, c'est terminé un peu pour le bas moteur. La prochaine fois qu'on repasse au shop, voilà, focus, bah c'est voilà, le haut moteur, on s'occupe de ça, il est là, je te l'ai sorti pour ton plaisir, un petit teasing, le cylindre Malos que tu connais, 63cc, 45 mm je crois, ou 1,5, peu importe, on s'en fout, cylindre à air, on a travaillé un petit peu l'embase, tu connais, pour ouvrir tout ça. Alors ce qui est bien, c'est que bien que ce soit un cylindre de rue avec des petits diagrammes, et ça va pas prendre des régimes, des watts, non, pas du tout. Surtout qu'on ne veut pas le refroidir, donc, mais par contre il est bien, ça va être du montage racing on va dire. Il n'y a pas de trou, de mort, de décompresseur qui fait chier, voilà, sur les Peugeot qui fuit tout le temps, la fuite d'air, ni dans le cylindre, ni ici qui communique avec la culasse, il n'y a rien. Donc tout ça c'est un peu du racing, voilà, là on est sur du montage racing, ça fait plaisir. Il y en a marre des fuites d'air sur Peugeot. Alors ici, on va monter pour te faire plaisir, comme ça enquillé à blanc, le bon Variotop Grande Plage 115 mm. Voilà, d'ailleurs, dont tu galères pour trouver les courroies,
pour obtenir toute la full plage et qui alourdit tout ça, bien sûr, le fonctionnement puisqu'on a une courroie plus épaisse. Bien joué, bien vu, Rocheteau. Ça, c'est vieux Rocheteau, hein. Tu connais pas Zizou, toi, c'est Zizou. Même plus Zizou, c'est vieux. Ici, la petite platine qui monte sur le côté. Merci l'Américain, Bob, qui nous usine ça, voilà, ici aux États-Unis, pour adapter, enfin adapter, surélever un petit peu la platine Stator qui monte direct. Peugeot, voilà, MBK sur Peugeot, c'est les mêmes trous locaux. Voilà, je vais te montrer, ils sont là. Les mêmes trous, c'est les mêmes. Tac, tac, ça rentre dedans, sauf que là, c'est des vis de 5 au lieu de des vis de 6. Voilà, filetage. Voilà, tu te fais plaisir. Donc, tu peux mettre des petites rondelles derrière pour surélever le Stator. Tu te fais pas chier avec ce truc-là, bling, bling. Mais bon, nous, on les a eu gratos, on l'a acheté pour lui, on s'est plaisir. Voilà, on soutient la communauté mobber américaine et les fabricants de petites pièces qui se font pas d'argent là-dessus, d'ailleurs. Donc, le cône, ici, MBK, tu connais. Allumage MBK d'origine. Allumage MBK rotor, flywheel, voilà. Volant magnétique qui monte sur les cônes Peugeot. Les gros cônes, tac, ils montent. Les cônes à rupteur. Ah bon, je savais pas. Eh bien, maintenant, tu le sais. Merci, Thomas. Voilà les amis, je crois que c'est tout. On va se faire plaisir, vu sur le Variotop Engineering Grande Plage. Ah là là, qu'est-ce qu'on kiffe en France, le Variotop Grande Plage. Non, pas tous, il y en a qui sont malins, qui m'ont dit non, je suis déçu du fonctionnement. Mais ça fait beau, ça fait bling bling. C'est tout ce qu'on cherche. Voilà les amis, on fonce au shop, 3, 2, 1, go. Allez vite fait, tout d'abord je vais passer à la poste, bien sûr déposer un truc. Ensuite, faut que j'aille bouffer car j'ai une dalle de chacal. Je me suis levé à 4h du mat et j'ai encore la Pagani dans la tête, loco, c'est un truc de fou. De Pagani, de Pagani, elle est là, elle est arrivée. C'est fou furieux hein, ce cul de la Pagani, ça m'est resté bloqué, j'en rêve la nuit encore et tout. En parlant de caisse, tu te rappelles du mec qui avait la Porsche GT3 RS, black et green, avec le liseré vert et tout le bordel. Mandy sur YouTube, va checker, tu vas voir, il fait des belles vidéos, bref. Donc, il m'a dit qu'il allait partir à la Car Week. Tu connais Monterey Car Week. En fait, c'est la semaine de la voiture ici à Monterey, Californie, près de l'océan Pacifique. Un truc de malade toute la semaine. Ça a commencé déjà ce week-end. Pendant toute la semaine, c'est les shows, les événements, les remises de concours, de l'élégance, du rallye, du on torche tout sur la route avec les Lambeaux, les Ferrari, tout, les concessionnaires sont là. C'est la petite expérience VIP, ils te mettent dans des hôtels, dans des villas louées au bord de la mer avec le petit cocktail et tout ce qui va bien pour te présenter leur dernier modèle. Bref, c'est toute une semaine de bagnole, c'est un truc de folie loco. Donc bien sûr, tous les gros, les grands de ce game, de la voiture de sport, de luxe, vont être présents. Pour les aguichets locaux, pour leur vendre de la caisse. Mais en tout cas, apparemment, c'est un bel événement. Je pourrais pas y assister, bien sûr, car tu te rends compte que c'est un trip. C'est de l'argent, c'est du temps, et j'ai pas le temps. Moi, je suis au shop, faut faire tourner, quoi, la mécanique mobilette. Il y a Bob qui m'appelle tous les jours. Elle est prête, ma bibilette? Je veux rouler, c'est l'été. Donc, faut y aller, locaux. Voilà, au charbon. Mais un jour, ça serait beau d'être là-haut. Monterey, voilà, Car Week, la semaine de la voiture. Wouh, watto, ça a l'air beau. C'est quand même pour les rich and famous hein, dans l'ensemble, c'est pas voilà. Mais les badauds sont là, t'inquiète. Donc les Koenigsegg qui se garent au McDo et tout, ça fait plaisir, tu vois, d'un seul coup. Chercher l'erreur, mais voilà, c'est un événement qui déchire tout. Donc on est là, voilà. Oh, il y a de la caisse là, regarde, c'est quoi ça? GTO, inattendu. What the fuck? Nice, bro. Nice. Petit GTO. Voilà. Pontiac, je crois, on dirait. Truc comme ça, ouais. Donc on va se garer, nous. On va aller chez le diner de Mom and Pops. Tu connais. Voilà, il est là. House of Pies. Voilà, pour ton plaisir, on va se garer. Et on va se faire le breakfast à l'américaine. Oh, le petit déjeuner américain, 100%. Bacon and eggs and French toast. La belle journaliste américaine, blonde, aux dents blanches. Le breakfast royal. C'est l'Amérique, loco. Comment se dit ça? Honduras, duro. Dale, duro. Dale, duro. Vas-y, Schlaghetto. Voilà, comme ça, Schlaghetto. Montre-lui, Schlaghetto. Dale, Pancho. Dale, Pancho. So, those picantes, hein? How do you call those? Chiles. Check it out. Chiles. Mm. Du piment pur. Ils bouffent ça dès le matin. Tac! C'est chaud. C'est chaud, loco. I can't do it. Yeah. Du piment. Tac! Putain, c'est épicé, ce truc-là. I can't do it. So spicy, bro. Ah, bueno. Il s'en bat les couilles, lui, dès le matin. In the morning, doesn't matter, morning, everything. Won't you have a, good heavy breakfast? Yeah. It's good. It's good, yeah. C'est bon le matin, petit déj. Le piment. Dale gas. Thank you, loco. Ok, dale gas. Provecho. Yes, sir. Ouh, ce soleil californien. God damn. Toujours aussi beau. Ah, c'est mexicain, hein. Les mexicanos, c'est quelque chose. Donc, ici,
T'es chaud? T'es prêt? On va dévoiler tous les secrets de Victoria. Cabron! Dude, you have no idea. When I grew up in the 90s, that song, my buddy used to sing it. Vamos a la playa? Yeah, vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 cabrón. A huevo. He just changed the word because he didn't understand it. Oh, so he would say, como a la playa. Oh, vamos a la este pendejo. Oh, a la playa. Oh, 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 oh. Nice. Cabrón. Il chantait ça, je dis putain, c'est là une chanson que un de mes potes d'enfance, de banlieue, d'adolescence, dans les années 90, il chantait. Sauf qu'il connaissait pas les paroles. Donc il faisait como a la playa. Mais non, bateau. C'est vamos a la playa. Allons-y, à la plage. Donc ici, c'est parti, le unboxing. Oh, god damn. Ouh, on va tout déchirer. T'es prêt, t'es chaud. Je crois qu'il va falloir que je monte sur mon tabouret. Car t'as vu, c'est du gros paquet quand même. Du massive. Allez, c'est parti pour toi. Le moped addict. Bon. Victoria's Secret. Montre-moi tes secrets, loco. Bon. Regarde. Bon. God damn. On va tout déchirer. Tout déchirer, loco. C'est parti. Les coups de latte. Donc là, faut pas faire voler, comme tu m'as dit, le joint à papier. L'autre jour, qu'on avait fait voler dans la benne. C'est parti. Le stuffing. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Il n'y a que du stuffing. God damn, on s'est fait niquer, non? Bordel, regarde, je sais pas si tu vois. Je me mets sur la pointe des pieds pour toi. Tac, tac. 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 Je crois qu'on va tout flipper. Attention. Attention, les pieds, estomac. Qu'est-ce que tu fous? Tritland. Putain, c'est cher sur Tritland. Il se touche. Il se touche sur Tritland. Non, shut the fuck. De toute façon, tu vas pas mourir avec tes pièces, hein. Ta Lamborghini, ta Ferrari, t'as pas gagné. Ta mobilette quittée, loco. Le jour où tu meurs, de toute façon, tu pars pas avec. Donc on s'en bat les cacahuètes. Déporte tes dignons, loco. Putain, j'ai mis un sticker, faut aller choper, là. Tac. Regarde, t'es prêt, coup de latte. Bon. Yes, sir. Dans ta face. Oh, il y a du lourd. Oh, il y a des stickers par terre, partout. On est là. Malos. Full malos. Alors, qu'est-ce qu'on a comme goodies? La petite facture. Qui va tout déchirer, elle est chaude, elle brûle les doigts tellement c'est les dineros. On fait tout tomber par terre, c'est normal, c'est du live. Bon, malos, bon, oh là 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 là, le unboxing du Sen, boom, du Lord, oh, moto bécane, ignition, bon, les stickers. Moi ça me casse les couilles les stickers, j'en reçois, mais tous les jours, toute la semaine, toute l'année, je sais plus quoi en foutre. Envoie-les-moi ton manque. Envoie-les-moi ton manque. J'ai que ça à foutre. Passer à la poste. Mettre le timbre. La petite... Désolé, loco. Il faut que tu craches les dineros. Tu recevras des stickers, loco. Honda Mini. HPI. Allez. T'es prêt? Je regarde un petit peu. Donc, on dirait que c'est une commande un petit peu jumelée. Donc, je sais pas où donner de la tête. On va cadrer. On essaie pour toi. Special Belt. La courroie très spéciale. Pour le Vario Top. Non, c'est du standard. Voilà, Peugeot, 13 mm et des brouettes que tu connais, qui fait le taf. Bon, on commence par où, loco? Je suis chaud. Le petit paquet, on garde le meilleur pour la fin. The Piste Resistance. The Piste Resistance. Comme le cul de la Pagani. On garde tout ça pour la fin. On te fait languir, loco. Bon. Allez, c'est parti. Oh. Oh, c'est orgasmique. Oh, les joints, les gaskets, malos, mal aussi. Alors, je crois que là-dedans, bien sûr, on a le matos pour, comment il s'appelle, Steve McQueen. C'est pas McQueen, hein, c'est McQueen, MC. Pas Ma, MY, McQueen. Comme dans le film Spartans, 300. Aou, comme tu dis en France. T'as repris l'expression, je sais pas pourquoi, vous avez kiffé ça du film. Aou. Dans les mobilisations, là. Voilà. On descend dans la rue. Aou. What the fuck? Alors ici, t'es prêt, le coup de latte? Bon. Voilà, regarde. C'est beau. Oh, c'est du lanceur. Pour Honda. Attends, tu m'as dit, quand est-ce que tu fais du Honda Camino, loco? J'en peux plus. Fais-en rentrer un. Fais du faux, de vrai, on s'en fout. Appelle un copain qui l'amène, tu fais semblant de le réparer. Genre, c'est un client. Loco, il n'y a pas de Honda Camino. La raison en est que déjà il n'y en a pas trop et que ça marche tout le temps, ça tombe jamais en panne ce truc là, tellement c'est fiable.
Donc c'est pour le Camino, ici en fait un Honda Express, on va lui mettre un lanceur car le système de démarrage au kick, où tu kicks 10 fois et t'actionnes le levier frein, très fatigant, ça dérape, ça marche pas, c'est galère. Donc on va lui adapter ici le lanceur Made in America, qui vaut ce qu'il vaut, mais ça fera le taf, donc il va être content le mec, tu vois. Donc là il n'y aura plus de problème pour démarrer son Honda Express KT70cc. Voilà, on va mettre ça de côté pour ton plaisir. Donc ça c'est pour la config de Steve McQueen. McQueen, comme dirait Spartans. Voilà. McQueen, ma reine. Je pars en guerre, McQueen. Je te reverrai peut-être, peut-être que non. My Queen. Ici, alors, c'est du Erza, loco. Putain, qu'est-ce que tu fous? Ouvre les yeux, bordel. J'ai failli rater. Erza, T6. Et là, pour le coup, c'est le vrai. Le vrai T6 que tu me casses les couilles depuis des années avec ton... T6, mais du T6 bordel, du T6 pour Peugeot, c'est le meilleur kit de la planète, qui déchire tout, bidalo tout, il déchire tout, tout fast, il enrume tout le truc, T6, le meilleur qualité prix, rapport qualité prix, T6, god damn, qu'est-ce qu'ils ont saoulé avec ce T6, vous m'avez martelé le cerveau, j'en fais des cauchemars du T6, donc pour ton plaisir, le T6. Regarde les transferts, ils sont massive. Massive. Regarde. Massive. Oh, le transfert, il prend toute la longueur. Regarde, du moule. Du goujon à goujon. On peut pas faire plus gros. Si, on peut gratter un petit peu encore. Il y a encore de la place. Ouvre tout, les transferts. T6 pour Peugeot. Voilà, on sent le mec vénère avec ce T6. Erzal, T6. Alors, j'ai vu la vidéo du mec là qui fait tourner ça sur un Fox. Sur un Peugeot 103 Fox. C'est vrai que le truc il fait des Willy. Il l'a préparé en plus à la Bob le préparateur. Tout ce qu'il a gratouillé dedans, je sais pas ce qu'il a fait, c'est top secret. Top secret, Victoria Secret. Donc échappement booster pour ton plaisir, je sais pas si tu vois. Petit booster, mais ils sont là quand même. Voilà, ils font le taf. Petit diagramme, on voit. Enfin, ça a l'air, non, ça a l'air d'être correct pour du 70. Voilà, donc c'est le fameux T6 que tout le monde kiffe pour 103. C'est le meilleur kit de la planète. Gros cube 70. En tout cas, son truc il marche. Hein. Willy all day. Kit à air, on dirait apparemment. Sur du double vario Fox. Peugeot 103 Fox. Il a l'air de prendre du régime en plus. Ce qui est étonnant parce que pour un moteur à air comme ça, prendre du régime. Oh Watto, ça va pas aller loin Watto. Je pense pas qu'il est à fond à bloc 200 km/h sur l'autoroute. Je le sens pas quoi. C'est plutôt pour les axels, tu vois. On lève le nez et tout. Dans le village, on est le roi du village. On dit bonjour au boulanger en passant. Donc il est là, T6. Alors c'est pour qui? Bah, c'est pour Steve McQueen. Tu l'as compris, c'est pour toi si tu regardes. Il est au Luxembourg. Luxembourg. Voilà, donc on va ouvrir. Pareil pour monsieur. Donc c'est la même config qu'on fait en fait pour... chat dans la gorge, encore. C'est chiant avec les chats dans la gorge. Qu'on fait pour monsieur ici le TSM. Full mal aussi. Carter mal aussi, kit mal aussi 70, etc. Culasse mal aussi, tu connais le taf. Donc monsieur, c'est pareil, on va tout faire pareil. Pareil, identique. Sauf qu'on va en fait faire du swap. Au lieu du mal aussi, du kit, on va mettre le Erzal dedans. Tout le reste, c'est pareil, loco. Donc on pourra te faire en plus un comparatif du lourd. Donc là, tu diras, bah voilà, je te l'avais dit, Tomahawk, c'était le T6 le plus puissant. Eh bien, tant mieux pour toi, on s'en fout, nous. Mais par contre, c'est pas du monosegment, quand j'y pense. On a un cylindre bisegment. Bon, c'est comme ça. T6. Alors ici, les carters mal aussi, tu les connais. On les a installés ce matin. Ils sont tout beaux. C'est du bon alu. Voilà, c'est la bonne cam. Tout est là-dedans. Les clapets massive pour ton plaisir. Voilà, là-dedans. Tout le hardware, il est là. Tout ce qui est boulon, conneries, tout le bordel pour assembler tout ça. Voilà, on va les remettre dedans pour l'instant. Comme ça. Voilà, t'es là, t'es content, tu l'as vu. On le met de côté. Là, je cherche un truc, sa mère, parce que je sais pas où j'ai mis. T'as l'axe de piston, les segments. Je sais pas où j'ai mis déjà les circlips pour le piston. Je les ai vus, ils m'ont passé sous le nez, je sais plus où ils sont. On va les trouver, t'inquiète. Bon, ça c'est quoi? Poubelle. Hop, quoi d'autre? Oh, il y a du malos. Ah, c'est beau ou c'est quoi ça? Encore du malos. T'es prêt? Attention. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est Tritland qui nous a joué un tour. Possible, recyclage, ma lame elle est fatiguée encore. Ouh! Oh! Oh!
My lord. My queen. Oh, my lord. Regarde. Donc, c'est pour toi, Steve. Fais-toi plaisir. Roulement. SKL. Made in Slovénia. Les Slovéniens. Tomos. Regarde, les joints speed, tout ce qui va bien. La rallonge pour ta pédale, puisqu'on va te mettre une poulie embrayage Doppler qui déchire tout. Et tu vas mettre ton pot Doppler chromé que tu as acheté en France chez VSX. Pot long, donc on pourra pas, la pédale va taper, donc nous on va te rajouter la rallonge. On va même modifier l'axe de la poulie Doppler, puisqu'il est fait pour les cale-pieds et pas pour les pédales. Mais on va l'usiner, on va se démerder, cousin. Pour ton plaisir. Ici, regarde. Bam! Attention, 3, 2, 1, boum! Oh! Oh! La config identique, le carbut 21, carbut 22. Fais la venturisation! Ouvre le carbut, venturise, loco! Oh, 21, PHBG, qu'est-ce qu'il est beau, loco! Oh, on le remet dans sa petite boîte. Oh! Cet orgasme. Ouh, la culasse, malos. Ouh. Ouh. Oh. 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 God damn. Oh. Oh. Thank you, Lord. The Lord. Ou comme dire les Français, the, avec un D. The Lord. The. Moi, je dis the. Tu dis the, toi, ou tu dis the? Ça dépend. Des fois je dis de, des fois je dis the. The culasse. Avec un Z. Et l'américain il comprend rien. Qu'est-ce qu'il raconte là? T'inquiète pas, il est français, c'est pas de sa faute. Oh la pipe. Oh, oh. Oh. Lord. My lord. La pipe. Manchon caoutchouc. Orientable. À souhait. 360. Tu la mets dans tous les... Tu lui fais faire l'hélicoptère. Tu te rappelles? Oh! Oh, les stickers. Tomahawk, envoie les stickers, s'il te plaît. Les balance pas, Tomahawk. Sacrilège. Ouh! 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 Oh! Oh, my goodness! Oh, my goodness! My goodness! Oh! Oh, le malos. Oh, c'est beau. Oh, t'es toujours là. Oh, t'es fou furieux. T'es un mopède addict. Oh, tu es le drogué de la mob. Oh, 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 j'en peux plus. Ouvre, Tomahawk. Oh, le Vario Top. C'est le top du Vario, de tous les Varios. C'est le Vario Top. Le meilleur variateur de la planète. C'est un grande plage, 115 mm, c'est bien connu, c'est la grande plage qui donne toute la puissance à ton moteur. Plus le Vario est gros, d'ailleurs il aurait fallu en faire un de 200 mm, la grande plage. Vamos a la playa, on va à la plage, la grande plage, la plage mal aussi. Oh, oh, nice. Oh, oh, nice. Tous les petits guides en caoutchouc pour les basculeurs. Nice. Regarde ça, Steve. Steve McQueen. Oh my god, Steve. Tu vas kiffer ta config. Steve. Stevie. Bon, poubelle. Ouh, la flasque. La joue fixe. Contre la joue mobile. Voilà. Fixe. Pour ceux qui découvrent la mobilette. Les noobs. Voilà. The newbies. Les nouvelles abeilles, elles arrivent. Bzzz. On est des noobs. Je commence là, je démarre la mobilette. Tomahawk, qu'est-ce que tu me conseilles comme kit? Je viens d'acheter une petite mobilette AV7. AV88. Dude. Mais c'est trop général comme question, ça, loco. Quel est ton budget? Je sais même pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je sais même pas. Quelles sont tes connaissances mécaniques? Je ne sais même pas. Voilà, 50, 70 cc, je ne sais même pas. De toute façon, 70, c'est... Pff, ça marche, mais bon, ça vive, ça chauffe. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, loco? Est-ce que tu vas garder ton vario d'origine, bien lourd, qui casse tout, ou pas? Sur motobécane. Peugeot, c'est des meilleurs varios d'origine.
Voilà, achète-toi une Peugeot, ça sera plus facile. Tu seras, voilà, plus simple pour toi, loco, qui démarre la mobilette. MBK, c'est lourd. Le Vario est très lourd. Si t'as pas de budget, t'es niqué, loco. Ici, il faut faire du all-in. Tout, tu mets tous les jetons, comme à Vegas, tu vois. Quand tu joues, voilà, au dé, tu mets tous les jetons. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pareil avec les moteurs motobécanes, faut y aller, loco. Faut mettre tout, all-in. Faut tout acheter. Le kit, l'allumage, le Vario Racing. Voilà, il y en a un qui m'a dit, hé, hey, est-ce que je peux mettre du Vario, est-ce que ça marche, du Vario Bidalo ER3? Déjà, ça n'existe pas, le Vario Bidalo ER3, je connais pas. Je connais le Doppler ER3. Mais oui, bien sûr, que si tu passes un Vario ER3 sur ta machine, ça va mieux marcher, bien sûr. Ça, c'est pas la peine de poser la question. Prends pas le ER2, quel... Enfin, on va rien dire, mais bon. Prends les Vario à galet. Je comprends, t'es sous budget. Qu'est-ce que je te dise, moi? Bah ouais, mais ça s'additionne vite quand je fais les achats, donc je regarde au moins cher, tu vois, je me fais le petit plaisir. Une fois que j'ai acheté le petit kit 70, le petit carbet 15, le petit pont. Donc après, il me reste plus beaucoup de, tu vois ce que je veux dire, de pépettes, donc j'ai un budget de 500. Donc je prends le moins cher, le Vario ER2, parce qu'il m'a l'air plus accessible, plus abordable. Bah oui, mais tu vas te planter, loco, les galets, ça marche pas terrible. Prends des Vario à poids. Oh là là, poulie Doppler ER2, là, il y a un gros souci, là. Oh là là, oh, le truc il tourne même pas. D'accord. Donc là, déjà on les baisait là. Ok. Bon, eh bien, quand faut y aller, faut y aller. Faut faire le taf. On va dévisser le truc. À mon avis, les mâchoires coincent. Soit c'est la roue libre, soit c'est les mâchoires. Bref, Stevie, c'est pour toi. L'axe pour les cale-pieds. Mais toi, t'as les pédales, donc on est niqué. Donc Daddy va faire le taf. Daddy. Daddy. C'est Daddy. Tu sais, c'est la petite gamine quand elle voit papa. Daddy. T'es là, Daddy. T'es rentré à la maison du travail, Daddy. Daddy, ça peut être aussi mauvaise connotation. Voilà. Genre, who's your daddy? Voilà. Le sugar daddy, voilà. Le papa friqué, tu sais, qu'entretient sa petite maîtresse. Le sugar daddy. Donc c'est pas toujours à bonne connotation, faut faire gaffe. Alors ici, donc on va usiner d'un côté, tac, pour passer les pédales, tu l'as compris. Car les deux pédales dans le même sens et la manivelle, c'est pas terrible. Donc pour toi, Steve, Stevie, Steve McQueen. J'aime bien dire ça. My Queen, Sparta. Oh, on est là, les gladiateurs. Les centurions, Sparta! Est-ce qu'il va sortir lui? Attends, là on fait du unboxing en profondeur. Oh là, tu mets des coups de tournevis? Bah bien sûr, loco. Tu crois toi? Tu crois que. On a grandi dans le 16ème, nous? On a grandi dans la banlieue Est. De Paris. Paris. Comme ils disent les Ricains. I went to Paris. People are rude! French people are rude. Ah bon? Ah oui, très très rude. Ils sont très très impolis. Manque de respect. Très très impolis. Très rude. Ils m'ont coupé dans le fil de tente. J'attendais pour le quick, le pomme de pain. Et la madame, la serveuse m'a dit, tu parles pas le français. Dégage de là. Ah bon? Eh ben, dis donc, rude. On parle pas, voilà, en anglais ici. Ferme ta gueule. À Paris, on parle en français. Va apprendre le français, espèce d'amerloc. Tu reviens quand tu parles le français. Rude. He was rude. Qu'est-ce qu'ils sont rude, ces Français. Donc, tu vois, le canon fait le taf. La roue libre, pas de soucis, loco. Voilà. Spin it. Spin it. Ça spin, ça tourne. Donc c'est lui loco à mon avis, sur les mâchoires. Oh, ça coince les mâchoires, ça coince. Donc là c'est simple, on peut gratouiller un petit peu le caoutchouc ici, mais ils ont l'air bien. Donc tout simplement, on va appairer, roder ici le matériel des mâchoires. Voilà, la garniture, je trouve pas les mots français. La garniture. Donc déjà, il y a du travail de préparation. Voilà. Bon bah écoute, on a fait le taf, hein. Les roulements tu les connais. Pourquoi t'as pas pris les roulements en polyamide? Parce que l'acier ça marche très bien, loco. La cage à acier ça marche très bien, très bien.
Surtout pour des moteurs qui prennent 9000 à 10000 tours locaux. Le petit kit 70 de la route. Peugeot Sandra, tiens, ils sont là. T6. Les petits diagrammes de la mort. Les petites ailettes du lot. Tiers fois 10, rien du tout. Comment veux-tu prendre du régime avec ça? Bah, serrage. Échappement, piston, on a tout serré locaux. Ah bah oui, il a trop chauffé à la sortie d'échappement, c'est normal. Je pouvais pas le refroidir. Non, non, t'inquiète pas. Cage en acier, ça fait le taf. C'est surtout au niveau du montage qu'il faut faire ça d'équerre locaux. Les roulements parallèles, bien comme il faut. Voilà, tant que tout tourne parallèle, qu'on n'est pas en quinconce au montage, ça fera le taf. C'est tout. Donc applique-toi dans ton montage. C'est tout, locaux. Voilà, une fois que tu sais ça, c'est tout gagné. Bon, bah voilà, c'est torché. On va s'arrêter là-dessus. On va prendre la petite photo ou un truc. On va frimer sur les réseaux sociaux. On va faire l'étalage. Étale la pièce. Voilà, on étale les pièces. On fait l'étalage de pièces. Comme certains collectionneurs d'ailleurs, en France, qui ont toutes les pièces Bidalo. Toutes. Ils te le mettent dans ta face. Regarde, j'ai tous les kits vintage. J'ai toutes les configs. Tous les moteurs dans la vitrine. J'astique tous les jours. Je passe le plumeau et tout. Je mets les photos sur les réseaux. Et quand est-ce qu'ils roulent tous ces moteurs? Jamais. Ah d'accord, ok. Bon bah c'est bien, tant mieux, fais-toi plaisir. Voilà. Whatever suits you need, bro. Ok. Bon bah je crois que c'est tout, on va se laisser là-dessus. La petite dernière sur la courroie pour ton plaise. Le canon mal aussi quand même, on va le torcher. Voilà. Vario top. Grande plage. Excuse-moi, faut que je me foute de la gueule de ça parce que ça pendant des années qu'on me saoule avec les pièces qui font bling bling, qui sont pas racines mais tuning. Bon, c'est mieux que ton petit vario d'origine, tu vas me dire, c'est sûr, je comprends le taf. Mais ceux qui swear, qui jurent par ça, je jure, c'est le mal aussi. Vario top, bordel, c'est là qu'il y a la puissance, c'est le meilleur vario de la planète. Ah, damn, putain. Ah, j'étais chaud bouillant aujourd'hui. Bon, ça c'est les crocs malos. On va le torcher. Les stickers, putain, tu vas nous saouler si on les balance encore. Ça va être le coup de bâton. On les balance jamais, on les garde, tu l'as vu, dans un petit sachet. Et là, ça va faire plaisir à un mobeur en France. Il va être content. Il va m'envoyer le magazine. 50 Power. 50 Power. Avec toutes les mobilettes. On va se faire plaisir. Voilà, je crois que j'ai tout donné. Je vais mettre au taf, moi, parce qu'il y a du travail à faire sur les Tomos. Non seulement celle-là, voilà. Qui d'ailleurs, voilà, tout est loose, encore une fois. Ça s'est dévissé ici, il ne le sait même pas. On va resserrer les moteurs, les boulons moteurs, mettre son petit kit. 70 T6. Le piston tout neuf est arrivé. 45 balles dans ta face, 45 mm. Ça fait mal. Les mécanos d'à côté, ils me disent 45 balles pour cette merde-là. Yes, sir. Putain la vache, c'est cher la mobilette. C'est pour les riches. Eh ben oui, loco. Je crois que c'est la passion du pauvre, toi. La mobilette, c'est pour les ballers. Voilà, les amis. Comme dirait Denzel Washington, voilà. Training day, tu connais. I'm very comfortable. Very comfortable. Voilà, les amis. Merci d'avoir suivi. C'est chaud bouillant. Daddy va faire la mécanique. Encaisser les dineros. Coaching. Et puis c'est tout. Donc, n'oubliez pas, en attendant la prochaine, gardez toujours, mais alors toujours, la grosse. Elle est énorme. La grosse. 3, 2, 1. Patate. Shut the fuck up. What's that? What is it? What do you say? Nada. Now you said something. Come on, bro. Come on. Ça s'arrête. La grosse patate. La grosse patate. La grosse patate. Cabron. Cabron, la grosse patate. Aïe, la patata. Gardez toujours la grosse patate. Gardez toujours la grosse patate. Non, with energy. Gardez toujours la grosse patate. Come on, cabron. Come on, last one. Otra vez. Gardez toujours la grosse patate. Gardez toujours la grosse patate. Yes, cabron. Sir, cabron. Cabron, c'est cabron. Allez, voilà ces putains de circlips. Je les avais balancés. Mais quel con ce Tomo Walk! C'est vraiment du beau walk!